m'arrive trop des trucs de ouf en ce moment. Faut trop que je vous raconte. Vas-y. Ok. J'envoie des messages à des meufs de prendre que t'es vu. Ça fait deux semaines que je mate des films de cul. J'suis dans le canapé, j'ai la flemme. J'ai des choses à faire comme laver des affaires parce que là j'crois qu'elle est chère dehors pour faire des nouvelles rencontres. Tout le monde les dit, j'crois qu'ils me prennent pour un con. J'ai peut-être été relou, pourtant maman dit que non. J'la vois souvent en ce moment car j'habite dans sa maison. Je sors ce soir avec une meuf, j'ai tellement hâte. C'est la première fois depuis des semaines. J'espère qu'elle va kiffer et qu'après on va ken. On en a rien à foutre. J'ai pas écouté un seul mot, j'étais fixé sur mon tel. Peut-être qu'il faudrait que je sorte, je sais plus où est la porte. Mais tant pis à mes abonnés, peut-être que ça bouille ma porte. Salut, ma porte. Les gars, vous êtes vraiment de gros débiles. J'ai carrément envie de vous mettre une béquille. Pourtant, je suis pas un mec violent, c'est juste que quand je suis énervé, j'ai envie d'évancer les gens. Et là, je suis énervé. T'inquiète, mec, j'ai retrouvé ma porte. Je vais sortir pour aller faire du sport. Ça y est, c'est bon, là, je crois que je suis prêt. Il me reste plus qu'à retrouver mes clés. Je suis trop vénère, je sais pas pourquoi j'ai trop les nerfs. Il faut que je me calme, c'est la première fois depuis des semaines. J'espère que je vais calmer, sinon après je vous ken. On en a rien à foutre. On a rien à foutre. On a rien à foutre. On a tout à la faute.